Fouetteur. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Monsieur Short. Nous allons passer une bonne partie de l'après-midi encore Philippe Short. À explorer cette période. Hier, hier matin, d'ailleurs, aux alentours de le procès verbal provisoire entre 10h18 et 10h20, vous avez été interrogé par monsieur le coprocureur sur une réunion dont on a parlé Pipoun, que vous avez apparemment interrogé longuement dans le cadre de votre ouvrage. Il vous a demandé si vous avez parlé d'une réunion d'avril 1975. En répondant à ces questions, vous avez dit, je vous cite, non, alors c'est en français, peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais non, cela m'a échappé, il ne me l'a pas mentionné, et personne d'autre non plus. Mais c'est parfaitement crédible. Première question, est-ce que c'est... vous ne vous en souvenez plus ou est-ce qu'il ne vous en a vraiment pas parlé? Chấm lời khiêm cất thà, nhóm đôi chiên nức mình khơi thà quạt bàn gì thì đừng nút tê. Nhóm mình sẽ bạc và mở rồi phía rồi tê. Con tài, nhóm mình nức khơi như vậy nữa tê. Nhóm mình cất thà quạt bàn gì tê. Hồi ai thà, nhóm plích đừng có. Tạm bất nức nhóm rộng nức mình khơi nè, bê đi. D'accord, parce que dans son... Bà xong mong con. Lors de son audition, une question lui a été posée à ce sujet. Et c'est le procès verbal d'audience 97.1/97.1 à 11h19. C'est une question qui a été posée par Maître Verken sur le fait de savoir s'il avait parlé de cette réunion de début avril 1975 qui concernait selon lui l'évacuation. Et il répond, j'en ai parlé avec lui. Très bien, j'entends votre réponse. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi le deuxième point, à savoir que cette réunion dont vous n'aviez jamais entendu parler d'avril 1975, quand le procureur vous fait état de la déposition de Pipoun, vous dites, c'est parfaitement crédible. Alors, ma question c'est, si vous n'en aviez jamais entendu parler, si personne d'autre ne vous en a parlé auparavant, sur quoi est-ce que vous fondez pour dire que c'est parfaitement crédible? Est-ce que c'est parce que c'est Pipoun qui le dit ou... Enfin, sur quoi est-ce que vous n'en aviez jamais parlé auparavant et que, comme vous l'avez répondu à monsieur le coprocureur, vous n'avez pas fait d'études sur cette réunion-là, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est parfaitement crédible? Simply that if you tell me, if I told that a meeting took place at B5, which was what was stated yesterday, at the beginning of April, why not? Why should there not have been a meeting there? I don't know about it, but what grounds do I have to doubt that there was a meeting there? I'm not saying there was or there wasn't. I'm simply saying I don't have any reason to doubt it, therefore if you tell me there was a meeting, there was a meeting. J'en reviens justement à ce qu'on avait évoqué ce matin par rapport à votre méthode de travail et par rapport spécifiquement à la question de personnes que vous entendez de nombreuses années après les faits qui, sans spécifiquement, même en étant d'une parfaite bonne foi, peuvent se tromper. Hier, notamment, quand on a parlé du comité central de 1974, vous avez noté que la date de septembre 1974, que vous avez indiqué dans votre ouvrage, n'était pas la date exacte.
ការបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសភារបស់លោកខែកញ្ញាឆ្នាំ74នោះប្រហែលជាមិនពិតទេពីព្រោះថាលោកបានឃើញសភាទស្សនាវដ្តីទងបដិវត្តនោះគឺបញ្ជាក់ថាខែ1នោះទេឆ្នាំ74នោះពាក់ព័ន្ធនឹងខែកញ្ញាឆ្នាំ1974នោះគឺថាparler de cette date là គឺថាលោកបានព័ត៌មាននឹងមកពីភីភួនមែនទេបាទលោកហ៊ានបញ្ជាក់ថានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ74នោះ Yes I was ចម្លើយបាទខ្ញុំផ្អែកលើចម្លើយនោះមែន Voilà donc typiquement c'est un exemple ដូច្នេះនេះគឺជាអបអរសាទរ quelqu'un peut vous donner une information ចម្លើយនៃបង្ហាញអំពីសុខឆន្ទៈនៃបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រាប់លោកអំពីព័ត៌មានមិនពិតenfin quand je vous parlais de des informations នៅពេលដែលខ្ញុំau niveau par rapport au rapport de bien même moi nous que tha quand il y a pas de recoupement ne peut d'ailleurs même dans votre livre ça apparaît comme une affirmation dans le sous-pôle de l'autre côté chose 1 une bonne fois on vous a donné des informations qui sont pas exactes que par rapport à l'autre mais peut que cela aime comme score par rapport à ce niveau donc cela l'autre aime អាចពិភាក្សាថាប្រសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅជួនកាលវាអាចមានភាពខុសគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារនេះហើយជាកិច្ចការងារប្រវត្តិសាស្ត្រជាអ្នកប្រវត្តិពីទូរបស់លោកនោះដូច្នេះនៅទីនេះគឺជាតឡាការដូច្នេះគេត្រូវការឲ្យលោកធានាបន្ថែមដូច្នេះលោកអាចពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំទេត្រង់ចំណុចនេះ We agree completely ចម្លើយយើងយល់ស្របទាំងស្រុងwhere things can be cross-checked the way they act things sort គ្នាបាននោះគឺថាទៅត្រូវទៅបានសម្រាប់តុលាការឬសម្រាប់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងករណីនោះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាមានឯកសារយោងជាឯកសារទងបដិវត្តន៍ទេតែបញ្ហាដ៏ធ្ងន់នៃការចងចាំនោះគឺទៅតាមកាលប្រវត្តិនៃការមិនដាប់សម្ដោយបដិវត្តន៍ហើយភាពធ្ងន់គឺចងចាំត្រឹមត្រូវកន្លែងខ្លះមិនសូវត្រូវអ្វីដែលកើតជាញឹកញាប់គឺថាគាត់ជាជាឡំពីថាកើតឡើងនៅពេលណាពីការបរិឆេទបញ្ហានៃការសរសេរអំពីកម្ពុជាជាតៃហើយបញ្ហានៅក្នុងតុលាការដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យគឺថាគឺត្រូវតែពឹងផ្អែកមួយផ្នែកធំទៅលើការចងចាំឯកសារក៏អាចជាមូលដ្ឋានមួយឯងដែរប៉ុន្តែការចងចាំនោះគឺថាវាជាស្ថានភាពមួយចំណុចដែលលោកស្រីលើកឡើងនោះគឺថាវាតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏វាត្រូវផ្អែកលើប្រភពទាំងនោះដែរបើយើងនឹងមានឱកាសត្រឡប់មកនិយាយអំពីបញ្ហាប្រៀបធៀបនឹងនិកទៀងទាត់ព័ត៌មាននេះវិញនៅពេលក្រោយទៅតាមករណីមួយចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកនេះគឺថាលោកបានលើកឡើងអំពីdu Cambodge sur la veille de l'évacuation de Phnom Penh en parlant notamment des années précédentes ជាផ្ទៃគឺឆ្នាំមុនមុនពេលដោះលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសិភៅរបស់លោកថាយើងគិតលោកគិតយ៉ាងម៉េចទៅបីជាការបកទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះក៏វាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ purement économique ហើយតាមផ្នែកតាមទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចនោះតើលោកអាចនិយាយទេថាឯឆ្នាំ1975ça n'a pas tellement évolué la situation du Cambodge économiquement était difficile កម្ពុជាមានការលំបាកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចun système agricole particulièrement rien on peut se mettre d'accord sur cette position ta lok aikapheap chmuoy khnyom nung te in 1975 chamlai nou knong chnam 1975 than phiep sithakai keu lomba khlang ha krot na ប៉ុន្តែសាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅបណ្ដាខ្លះនៃប្រទេសគឺកាន់កាប់ដោយខ្មែរក្រហមremnant parts by no no tremendous disruption គឺថាមិនដល់កាន់កាប់គឺថាអត្រាបានផ្លាញដោយសង្គ្រាមមកខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ថាជាប្រព័ន្ធកសិកម្មថយក្រោយអនុភាពនោះទេប៉ុន្តែវាជាកសិកម្មសម័យនោះត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលet comment est-ce que vous qualifieriez alors le système agricole à l'époque comme not un pays par rapport à កសិកម្មនៅសម័យនោះថាយ៉ាងម៉េចដែរ backward ចម្លើយគឺជាកសិកម្មដែលដើរថយក្រោយដោយមិនស្ងល់ទេប៉ុន្តែការនេះក៏មិនមែនថាអាចនឹងរៀបរៀងដល់ការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនោះដែរវាមានលក្ខណៈស្មើវាថាដោយសារតែ
ការកម្មផលក្រោយសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខនោះទេពីព្រោះថាគេធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ថាកម្ពុជាកាលនោះក៏ជាប្រទេសក្រីក្រដែលក្នុងលោកគាត់ថាគឺមានចំនួនបរទេសដើម្បីឧបត្ថម្ភមានអាហារគឺថានៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនគឺថាវិស័យកសិកម្មនៅថយក្រោយប៉ុន្តែតំបន់ខ្លះគេអាចផលិតអាចនឹងគ្រប់គ្រងប្រជាជនគឺថាសេដ្ឋកិច្ចគឺដាក់ដើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែយឺតមិនដូចតែគេចង់បានទេកាលនោះ Toujours sur ce thème de l'économie, dans votre ouvrage, vous avez discuté autour de la thèse de Q09 6 4 9 8. Je précise à l'attention de l'interprète que je ferai ensuite une deuxième citation à la page suivante. Donc sur cette page aussi, voilà ce que vous dites. Au milieu des années 70, cette approche hermétique du développement, donc, là vous faisiez référence à la thèse de Kyo-Sampan, etc. Au milieu des années 70, donc, cette approche hermétique du développement ne paraissait pas aussi excentrique que 30 ans plus tard dans le monde globalisé de l'Internet. Un groupe de sociologues occidentaux à qui l'on demanda en 1976 de concevoir un projet pour l'avenir de la Thaïlande, proposant un programme qui présentait des ressemblances assez frappantes avec les mesures radicales prises au même moment dans le pays voisin. Relocalisation de l'excédent de la population urbaine à la campagne, confiscation des biens productifs des riches et accroissement des investissements agricoles. Je ralentis parce que je pense que je parle trop vite pour les interprètes. L'autarcie est raisonnable, écrivait la même année David Chandler, doyen des historiens occidentaux du Cambodge. Je poursuis. Sur la page suivante, toujours à l'intention des interprètes. Et c'est au deuxième paragraphe, en tout cas en français. Aucun de ces auteurs n'était de gauche, mais ils étaient tous parfaitement conscients de l'échec des stratégies conventionnelles de développement mises en place au Cambodge dans les années 50 et 60. La prédilection de Sihanouk pour les projets de prestige et les usines clés en main avait illustré de façon éclatante, selon les propos de son conseiller français Charles Meyer, ce qu'il ne fallait pas faire. Ils étaient prêts à considérer d'un œil favorable des méthodes radicalement différentes. À la lumière de cet éclairage que vous faites sur les idées qui prévalaient sur l'économie et les choses pour développer le pays, je reviens à une réflexion que vous faisiez hier en disant que ce n'est pas que la politique en soi, le but en soi des Khmer Rouges était mauvais, mais c'est les moyens qui ont été mis en œuvre qui ont eu des catastrophes terribles. Est-ce que cette partie de la... enfin, de ces recherches de sociologues, d'économistes de l'époque, a nourri votre réflexion par rapport à ce que vous avez dit au sujet du but qui n'était pas un mauvais en soi. Chấm lại, chấm kết thà, nó không chấm đi dây, sư sinh vạc nên không sụp thông. Và cô bấm nón, cứ miên mù than trầm trâu, cứ bạc nông mèn bánh há, đại cát lãng cứ không ca ạ nó vọt, cũng nứt nụ tê. J'en viens maintenant à un point que vous avez abordé avec le procureur hier sur l'évacuation et un point particulier que vous avez évoqué. Alors, ça va être la page 286.
Le RN en français, le 00639825. Et le RN en anglais, 00396494. Et vous dites à propos de l'évacuation, alors j'ai des questions précises, mais je voudrais citer ce paragraphe qui a déjà été lu hier. Montilla et Kusampan furent chargés d'inspecter le point de contrôle de la zone nord à Prekdam sur la Nationale 5. Je vais trop vite. Je recommence. Yonchia et Kusampan furent chargés d'inspecter le point de contrôle de la zone nord à sur la Nationale 5 pendant que MOC faisait la navette avec le QG de la zone sud-ouest près de Takeo. Hier, interrogé sur ce point, vous avez confirmé à Mme Le Chartreit que ce n'était pas Kusampan qui vous avait indiqué cela. Vous avez été diplomate, vous l'avez été un peu moins dans le cadre de vos notes de bas de page, enfin de fin de livre, en disant que c'était un mensonge de la part de Kusampan. Ma question est de savoir quelle est votre source sur ce point particulier de la présence à un point de contrôle de Nyonchia et Kusampan. My source was Pipun. Et puis, pourquoi est-ce que vous avez croisé cette question? Je suis arrivé un mois plus tard, selon Kusampan. Ce qu'on disait au départ, à savoir que quand vous parlez X temps, X, beaucoup de temps s'est écoulé depuis le déroulement des faits,
avoir une certitude, une exactitude sur l'arrivée du moment, ce n'est pas toujours évident. Je prends un exemple. Dans votre, un autre exemple. Dans votre livre, vous datez l'entrée de Pol Pot à Phnom Penh au 20 avril. Première question, quelle est votre source pour fixer cette date? The inescapable Mr. Pipun. Chim Lai Kata, Silok Pipun, Dalla, and Yakot, no Tudum Nau, Tuka, Chop, Chitsnet Chimukot. When I chie Ruite, Pipun, I Est-ce que vous avez d'autres sources pour fixer cette date? Talon Mapo Pop Saint Tieta, and make them not car by Chatapol Pot, but you chom up no pin at time of Pay Mesano. I'm hesitating simply because Chim Lai Kim Luchis that stir, no cabin chair. I would be honest if I said I'm sure I don't have any other source. En fait, ce qui me perturbe, j'insiste sur cette question de date. Et vous, par rapport à cette date-là, où, si j'ai bien compris, il n'y a que Pipun qui est votre source, vous dites à la note de bas de page 286, que dans une interview en 78 à un journaliste yougoslave, Pol Pot lui dit être entré à Phnom Penh le 24 avril. Et votre commentaire dans cette note de bas de page, c'est de dire ce n'est pas vrai, pas parce qu'il avait besoin de mentir, mais parce qu'il n'était pas préoccupé par l'exactitude des faits. Moi, la question que je me pose vous, en tant que chercheur, vous avez vu Pipun X années après les faits, largement après 78. Vous avez Pol Pot qui dit lui-même en 78, l'évacuation, que le moment de son départ, c'est, enfin, de son arrivée à Phnom Penh, c'est le 24 avril. Vous avez d'autres auteurs qui disent le 23 avril. Pourquoi? Enfin, d'où vous tirez cette certitude qui vous permet de dire ce n'est pas vrai, c'est le 20 avril, à part Pipun. C'est quoi? Vous avez Pol Pot qui dit le 23 avril. I cannot answer for David Chandler. ខ្ញុំ ប្រកាស ថា ជាមួយ ការ សន្ទនា ជាមួយ គាត់ ដែល គាត់ សរសេរ សៀវភៅ បង ទី 1 នោះ គាត់ មិន បាន និយាយ ជាមួយ អ្នក ណា ម្នាក់ ដែល បាន ធ្វើ ការ ឬ ក៏ មាន ការ ងារ អ្វី ជាប់ ជាមួយ ពល ពត នៅ ពេល នោះ ទេ ហើយ អ្វី នេះ គឺ ថា មិន មែន ចេញ ពី ប្រភព ដែល ចេញ ពី ក្រុម ខ្មែរ ក្រហម នៅ ក្រាប ភ្នំ ពេញ ទេ ថ្ងៃ ទី 24 នេះ ខ្ញុំ អាច យល់ បាន ថា 24 មេសា នេះ គាត់ និយាយ ចាត់ ទុក ជា រឿង សាមញ្ញ អំពី ការ ពិត ប្រហែល ជា គាត់ ចង់ ដក ខ្លួន នៅ ឆ្ងាយ ចេញ អំពី ការ និយាយ ពី ស្មាន អំពី ជា ពិសេស រឿង ហេតុ ការ ចម្លៀស ភ្លាម ភ្លាម នេះ ឯង historical situations like this where there is no documentary evidence whatsoever. As you rightly say, memory is fallible. You have to make a judgment. And I'm not sure how much distance it made you went on the 20th of August or the 19th of August or the 19th of August or the 19th of August. But I am that the source which was with him and which remember who remembers going in himself
đến tha chun nạn nó mọc nằm bình hay chun nằm na con pol pot nó tới vĩnh tới cách chân dịch nằm bình hay nó ngay mình top hay mọc mà đòn tiền hay hay bắt đầu lâu lâu tam lâu khang thế mà chỉ mùi pol pot ní cứ chia sạch thay cam chia phật tàng cả lạ thế sạm mới đây tha nằm na rương nó coi chưa ban cứ tham mình ban ở dừng chân ngồi thế nhưng hãy bảo mình miền này nào chúng ngồi về đường nâng nhóm có trâu thì chưa đường nâng chân đại. Encore une fois, tout à l'heure, nous avons évoqué la question des dates. Dương lực lao đi bàn nhà cà bà chat nâng nằm nào ca này ông hai. Sur le déroulement des faits, il n'y a pas de grande différence. Avec ce que tu dis plus en disant clang pi puis pointé que tu as de bon là. Pour yo thia ban mà đó cho mà đó Phnom Penh hai bị tọp pi nong mo Pol Pot hay nang khnia kot nó ban mau tam kraoy préférer que la situation soit sécurisée được chứ đó mau ni cứ tha đảm bảo ới miên miên san sok ới sok bo ban pua kot cho mau on peut être d'accord pe pon tan nang damnal ka nei ong hai nó jeung ai kiep khnia dans votre réponse c'est que bantae nei knong chamlai robas lok nu khnyom mon yol hai dai ban que vous dites vous même dans la note en bas de page nei knong kamnot samkol cheung nu pua robas lok nu il n'a pas de raison de mentir il n'a pas besoin de se distancier c'est lui qui a pris la décision et il a dit à plusieurs reprises publiquement que pourquoi plus l'un que l'autre dans l'information et pourquoi surtout une affirmation aussi catégorique. You are perhaps right. I should be less categorical in that footnote. However, when you look at the statements that Pol Pot made from 1975 to 1979, they are not lies. Hay bắt sự kia chi phlâu ca chi propoan chăng cứ tha hay kot mần sâu ban anigay tin ni te chăng hay cứ aich nung phi phuon te kot da munuh muay dach sial pi omnach kot aich nung nigay ka pat chran chieng hay ba jeung nigay meul damnao rueng tang mul nou knong kalatisa muoy muoy nu Et encore, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, je parle en dehors de raison de mentir ou pas mentir, je parle juste de cette possibilité de se tromper comme Pol Pot s'est trompé en parlant de la réunion du comité 174 en septembre 1974, alors que c'est en juin, comme dans le temps, c'est qu'au-delà de la volonté de mentir ou pas, c'est de pouvoir se tromper et de pouvoir avoir une mémoire des événements qui n'est pas exacte. Donc moi, je vous demande dans votre travail de chercheur, quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'affirmations comme celles que je viens d'évoquer sur mon chien qui s'en parle et sur le point de contrôle de la zone nord, il n'y a qu'une personne qui le dit, vous n'avez pas fait de recrutement et quand vous écrivez, vous ne dites pas de recoupement c'est la ça ta lok ban pinat tieng ptot da sa ta min chamlai ta pi munu mneak no ke aich min ka phon chalom ta lok aich phiep chmuoy khnyom te trang chamnoch nih no we absolutely agree and I have already said that from khnyom nyei hai ke tha ka lap phavot ka phai ka pa rikhat ne ke tha vi asrai te loe ka chong cham robos sak sei robos doch lok phiep khuon phiep khuon chen ke tha hai panha chmbong bos ne pravatasas chen em hai lok nyei tha than aing ah ru ne che ong hai mon doy
mình tiền tọt chỉ mua nhà đất thì là sớm cái mình mới lúc đấy mới cứ thắt than phía bên mình ai ở trong đất tiền tọt xin thiết thì mình miền bập bập xin thiết thì cả nhà miền bập bập tại muối nè trâu chưa bập bập nữa rứa co lu nè chưa như vậy thả ai như ngày ni ngày nút rứa co ngày mười xin thiết anh con bé không ca sầm lại rồi bọc nhom cứ thả ภาษาประพบนั้นคือทาชื่อเชียกระทากดชื่อทาอาจไกลเลยฉันคิดว่าทามันจะจำใบคำสะเพาขยมเสเซขยมทาขยมกูเสเซทากดอาจกดอาจมองไงตีมาเพย์ตีเพย์ใบเพย์บุญเด็กย้ำย้ำเต้าไปเลยประพบนี้เองนั่นไม่เสเซกระทาหนึ่งมองไงตีมาเพย์ โดยเฉพาะชมเรียบตลาดการรถมาลอยแทนนี่คือทางการปาริเชตคือชื่อตำแหน่งตำนองเด็กซอยนะในยุคปีกาจองจำองเฮดการหลังอยู่โดยแต่ยังพิษานี่ Juste un point de précision dont nous avons entendu devant cette chambre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il s'agissait bien d'un des gardes du corps et messagers, en tout cas c'est comme ça que s'est présenté la détention, messager, garde du corps, attaché au service de Pol Pot. Pol Pot, t'as l'occasion de me dire bien des He started as a messenger and bodyguard for Pol Pot. After 1975, he became the head of security at the foreign ministry at P1. D'accord, donc là on parle de la période 75-79, la période au moment où l'arrivée à Phnom Penh, quelle était son situation dans vos souvenirs ou dans vos aides? At that time, he was an aide, a bodyguard, if you like, to Pol Pot. Est-ce qu'il était d'une quelconque façon membre d'un comité central ou d'une instance de sélection du PCMP? No, he was not. Je remercie pour ces précisions. J'en viens maintenant à un deuxième point que vous avez abordé hier avec M. le co-procureur et notamment un passage de votre livre qui est en anglais, page 313. Et les ERN en français sont 00-639-8-7-6-3-9-0-0-3-9-6-5-2-1 en anglais. C'est un passage qui vous a également été bah, lu, si je ne m'abuse, par M. le procureur. Vous dites, Sampan était également chargé de mission que Pol Pot jugeait trop sensible pour les confier à d'autres. Et là, je suis allé consulter votre page de bêtises. Il y avait toujours Pipoun. Avec l'autorisation de M. le Président, en
En Khmer, peut-être pour les besoins du public. Et je sais pas si vous avez besoin de vous dire, ou si vous voulez vous un exemple clair, ou si vous voulez vous dire, ou si vous voulez vous dire, pardon. 00. Bah, en français. Donc c'est E3-182. Le RN en français. 00. Bah, le chiffre ça prend que son son Le RN en Khmer. Oui, en Khmer, c'est 00-0-0-0-1-9-1-0. Et le RN en anglais m'échappe, oui, mais c'est la première page du fond. Oui, en Khmer, c'est 00-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 
of these missions was discussed with him. Khiu Samphon's role in the General Office is attested to by a document which I cite here, which is in the Vietnamese military archives. Delicate missions, I wouldn't wish to go beyond that in terms of characterizing. If I were to say when there was somebody who was under suspicion that Khiu Samphon was asked to go and make an assessment and report back on the situation, it might be so, but I have no specific grounds for saying that. Therefore, I would prefer Whether it was the main source or whether it was one source, we also, I also discussed it with people, and I really couldn't say. But there were interview sources of whom Song Sikun was one, that I can be certain of. And there are references, as I say, in this document in the Vietnamese military archives, also to Khiu Samphon's role in the General Office. And since you mentioned it, Khiu Samphon was very insistent when we spoke, I'm sorry to have to go into this, but he was very insistent on not having had a role in the General Office. And when someone wishes to obscure a particular part of their activity, it surely is for reasons. Now, that is not a basis for what I wrote. But it is an element in judging the testimony of others. Oui, alors peut-être pour que ce soit plus clair. Quelle était la position de M. Samphon, en tout cas, sur ce dont on est sûr dans le cadre de cette procédure. Je voudrais vous citer un passage de ces déclarations devant le bureau d'éco-juge d'instruction à propos de son travail au sein de 870. C'est le document E3/37 C'est un document que en français le RN est le 00 1 5 6 6 8 1 6 8 1. Et c'est un le Monsieur le procureur, hier, il s'agissait d'un office du comité permanent. Il n'était composé que de Donc, il parle bien de son activité au bureau de 870. Il parle de, il confirme en fait ce qui est marqué sur le PV. Je viens de vous citer sur le 870.
Nous serons d'accord sur le fait que vous avez indiqué qu'il n'y avait pas de document officiel parlant d'un remplaçant de Dunn. Mais vous avez indiqué qu'il y avait des chances je vais vous reprendre vos déclarations exactes pour ne pas déformer vos propos. Excusez-moi un instant. Donc c'était hier vers 10h02 pour les besoins de la chambre des parties dans le procès verbal. Alors là encore c'est en français donc avec la distance de la traduction, l'interprétation. Alors, le bureau, point, être officiellement à la tête du bureau ou bien le diriger dans les faits, ce sont deux choses différentes. Après le limogeage de Dunn, aucun nom n'a jamais été cité comme celui de la personne responsable du bureau général. Je pense qu'il est raisonnable de croire que Kyosampong avait un rôle important et cela cadre avec ce qu'on disait sur ses missions en province. Et je parle ici du moment qui a suivi le départ de Dunn. Première question, je reviens toujours à la question des missions sensibles, etc. Thank you, Mr. President. I'm not on my feet to object, and I certainly wouldn't impute to my friend a deliberate omission. But when she read that portion from the Kyosampong interview with OCIJ, at least in English, the sentence didn't come through in full. And I just want to make sure we have it on the record. The two sentences that are of relevance for present purposes. It was one office of the standing committee. It had only two members. J'en reviens à la question de quelles sont vos sources sur les missions en province. Et encore une fois, vous me dites qu'on vous a parlé de missions délicates et que vous ne pouvez pas être plus précis parce que je n'ai pas compris si c'est parce que vous ne savez pas si quelles étaient ces missions ou parce que vous n'avez pas eu de détails sur ces missions. I have already said that he was one source, maybe the principal source, and I repeat again, he was a source for that affirmation. I would not wish to go further on delicate missions simply because I do not wish to mislead the court. I feel it is right that I say what I have a reasonable belief of being correct, but to speculate beyond that would be misleading. Oui, parce que
comme vous l'avez vous-même souligné, déposé devant cette chambre et n'a pas parlé de missions sensibles dans les provinces, ni de tâches délicates comme vous le présentez dans votre ouvrage. Donc, c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Vous n'avez pas plus de détails que ça. Consistent testimony in court. À moins que monsieur le procureur me montre que je me suis trompé, qu'il y a effectivement une déclaration devant la chambre de monsieur Song Sukun parlant de mission délicate, je ne pense pas avoir mal présenté les choses à monsieur Short. Je ne pense pas avoir mal présenté les choses à monsieur Short. Je continue dans le déroulement de la période. Nous avons parlé de la date d'entrée à Phnom Penh et de vos sources. Nous avons parlé des missions sensibles et de vos sources. J'en viens plus Ma question, ma première question d'ailleurs sur ce point, c'est dans le cadre de votre ouvrage sur la biographie de Pol Pot, est-ce que le bureau 870 est un point sur lequel vous avez fait des recherches particulières? Je veux dire poussé par rapport à d'autres termes. Not more in detail than other topics, because it was a highly secret organization served, if you like, as the nerve center for transmissions from the Standing Committee. I researched it as much as I could, and I think probably as much as anybody else has been able to. For instance, the Vietnamese documents mentioned Phuc Chai as being a member, Yem as being a member. You mentioned Pang, whose full name I think was Chim Sam Ok. Yes, I tried to discover as much as I could about it, but a very secretive organization does not leave a paper trail. Dans le cadre des débats devant cette chambre, il y a plusieurs témoins qui sont venus déposer et certains ont évoqué le bureau 870 et nous avons notamment trois témoins. Alors, Madame Nom Sem qui a déposé le 25 septembre 2012 pour les besoins de la Chambre et des parties, transcript PV d'audience E1-126.1. Nous avons également eu un témoin qui s'appelle Untan,
audience du 13 juin 2012, E1-86.1, et nous avons également un certain Savi, qui a déposé le 8 janvier 2013, E1-86.1, et nous avons également Nansopang, audition du 3 septembre 2012, E1-20.1. Et dans le cadre de ces auditions, des questions leur ont été posées sur quelle était la personne en charge de, du bureau 870 et les noms qui sont sortis de ces auditions. Il y a eu Pang, il y a eu Ken alias Lin, et plus précisément, Madame Nomsem, femme de Lin, indique, donc dans son PV du 25 septembre 2012, E1-126.1, ERN en français 00849965. ERN en anglais 00849865. Elle a connu Pang au bureau 870, et on lui demande qui a donc remplacé Pang dans l'ensemble de ses fonctions après qu'il a disparu et jusqu'en 79. Réponse, le successeur de Pang, ça a été mon mari. Question. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'un certain nombre de bureaux K étaient placés sous la supervision de 870. Après le remplacement de Pang par Lin, est-ce que ces bureaux K étaient sous la supervision de votre mari ou d'autres personnes? Réponse. Je vais peut-être un peu trop vite, je vais ralentir. Mon mari était responsable de manière générale du bureau 870. Quant aux autres bureaux, peut-être qu'il supervisait d'autres bureaux, mais je n'en sais rien. Ensuite, première question, est-ce que vous aviez déjà entendu que Lin avait pu prendre la suite de Pang, qui lui-même aurait travaillé au bureau 870 après de lui? Est-ce que vous avez déjà entendu? Thank you, Your Honours. We do seem to have a problem again with the selective use of information and facts. One wants to quote every witness that was asked about the Office 817 and what should be complete. Two witnesses in this trial also testified that Q Sampan became the head of 817 and he was born and can't get you of Angus Dutch. I want to make sure that's on the record so that we're not misleading the expert as to just what this court has heard. Je ne vois pas où il y a une mauvaise représentation. J'indique les témoins qui ont déposé, je parle de la femme de M. Lin, et elle indique que son mari a été en charge de 1970. Je rappelle à M. le coprocureur qu'il avait tout loisir de soumettre toutes les informations qu'il voulait dans le cadre de son interrogatoire. Je demande à M. Short s'il connaît s'il a déjà entendu parler de M. Lin, dont sa femme parle, et pour lequel elle dit qu'il était responsable du bureau 870. Et M. Pipoun, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc je maintiens ma question, excusez-moi monsieur Short, est-ce que vous avez entendu parler de I heard of Ken. I heard of
of the man by his name Ken. I did not know he was also called Lin. And my understanding was that he was the head of a messenger unit. I can't remember the code name, but which was attached to 870. I did not hear of him being the head of 870. I must be truthful, I did not hear of Mr. Khieu Somphon being the nominal head of 870, but I did have reason to believe that he played an important role. That was on the basis both of interview material and of the references in the Vietnamese archives. And en parlant de Pipoun, puisque vous avez l'occasion de vous entretenir avec lui, il y a un problème de... C'est bon, vous m'entendez? En parlant de Pipoun, est-ce que Pipoun a évoqué avec vous le fait que Somphon aurait été responsable du bureau 870? Est-ce que Pipoun a évoqué avec vous le fait que Somphon aurait été... To the best of my recollection, no. I would really, you know, I have in Paris the texts of these interviews. I don't have them here. They're not accessible. If I were to go and look, I would be able to give you an accurate answer. But to the best of my recollection, no, did I ask him specifically, was Mr. Somphon head of 870? I'm not sure about that either. So I don't want to mislead you. I really can't take that further. There's no problem, Monsieur Short, on ne vous demande pas de vous dire des choses que vous ne savez pas, il n'y a pas de soucis. J'en viens maintenant à... Un autre point que vous avez abordé hier avec monsieur le procureur, vous avez indiqué il vous a pointé un extrait de votre livre que je veux à nouveau vous relire. Alors, excusez-moi, page 366. C'est la première ligne. Et de la reine en français, 00-396-534. Et la phrase qui vous a été déjà lue hier, les aveux de trahison étaient nécessaires pour que des hommes comme Yen Sari et que son point en donne lecture lors de réunions du parti à huis clos. Ma question est de savoir quelle est votre source sur ces lectures à huis clos et de quel type de réunions nous parlons. Je vais vous dire que c'est un peu de temps et que c'est un peu de temps. These were meetings of, for instance, ministry officials, Lawrence Peake, in the manuscript from which the book was taken, writes at some length about them, and describes in particular meetings in which Yen Sari read out in confession. And I'm having a blank, but it was another mid-level Khmer Rouge official whom I spoke about this, I would, after the break, perhaps provide you with the name. Okay, on n'y a pas de problème, on y reviendra. ສາໄຊຍັງຕະຫຼອດບັນຫາໄປຈຸມດັດນີ້ໂລກບັນຍັງປີໂລງປິດໃຫ້ນັງກິດປະຊຸມໃນກະຊວງການບໍລິເທດຈຸມດັດນີ້ປຽກພ້ອນນັງອິງສີນັງເຄວສຸມພອນອາຈຸມລາຍສາລະພຽບໂດຍຄືຂ້ອຍຍັງຈັ່ງນະຖ້າໂລກສຸມພອນມີນະທີຫໍນາ
ខ្ញុំថាអ្នកទាំងពីរនឹងបានអានចម្លើយសារភាពនៅអង្គប្រជុំទេហើយពីព្រោះថាកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់របស់គណៈចន្ទ្រៃរបស់មជ្ឈមឬក៏កម្មាភិបាលផ្នែកក្រហមនោះគឺវាមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយខ្ញុំសំផនពិតជាបានធ្វើជាទឹកដីភាពនៅក្នុងអង្គប្រជុំហើយអៀងសេរីក៏បានធ្វើបែបនោះដែរប្រភពរបស់ខ្ញុំនិយាយថាអនអូកាសមួយនោះ ដូច្នេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេអ្វីដែលលោកសេសេនោះគឺជាលក្ខណៈទូទៅនៃការសំខាន់ណាស់អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគឺថាមិនមានអ្នកណាគេប្រាប់លោកទេហើយលោកសន្និដ្ឋានថាខ្ញុំសំផនតំណងជាអានចម្លើយសារភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះជាអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយមែនទេអំបញ្ញមិញនេះ ចំឡាយគឺថាកម្មាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលនៅក្រសួងការបរទេសដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួនមែនសួនសិកឿនទេពិតជាបាននិយាយទៅរកអង្គប្រជុំដែលគាត់បានចូលរួមដែលគាត់ថាលោកខៀវសំផនបានពិតជាបានអានចំឡាយសារភាពនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះ ដូច្នេះសួនឡាសុស្រេសហ្វុងស៊ីគឿនគឺថាសឿងស៊ីគឿនមែនទេជាប្រភពព័ត៌មានរបស់លោកនោះ ខ្ញុំឡាយទេខ្ញុំមិនថាមិនថាសួងសិកឿនទេគឺម្នាក់ទៀតជាកម្មាភិបាលថ្នាក់កណ្ដាលមួយដែលឈ្មោះរបស់គាត់នឹងខ្ញុំមិនទាន់នឹកឃើញហើយនៅចុងមាត់នេះឯងលោកប្រធាន ដោយសារតែយើងមិនឈប់នៅម៉ោង4កន្លះដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកប្រធានចង់សម្រាប់ឥឡូវនេះឬក៏ឲ្យខ្ញុំបន្តដល់ម៉ោង3ដូចដែលលោកប្រធានបានអនុវត្តកាលពីម្សិលមិញនោះសូមលោកប្រធានសម្រាប់ សូមអរគុណច្រើនលោកប្រធាន J'en reviens à un point que vous avez également abordé hier et sur lequel vous aviez nuancé les propos qui se trouvaient dans votre ouvrage. Je vais relire le passage. Alors, en... Excusez-moi, il faut que je donne vos références. Le RN en français. 00-639-941 jusqu'à la page suivante. Et le RN en anglais. 396-579. Et alors là, je vais demander de l'aide de mon équipe pour que vous retrouviez la page dans votre commentaire. Pour vous, c'est page 371. Vous indiquez Paul en personne décidait des arrestations les plus importantes après avoir parfois consulté Kieu-Sompon. Hier, interrogé sur cette partie, vous avez précisé que c'était... Je vais retrouver vos propos exacts pour ne pas déformer. Excusez-moi un instant. របស់លោកដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យថាខ្ញុំបំផ្លែងសម្ដីរបស់លោកសូមទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចសិនលោកឈុត Excusez-moi monsieur Short, je suis désolé de Sommes-moi faire perdre le temps à la chambre, j'avais mon petit post-it que j'ai perdu, excusez-moi.
Je vais retrouver votre formulation exacte un peu plus tard, mais en gros, ce que j'ai compris de vos explications d'hier, c'était que ce n'était pas un choix que vous pensiez que Sampan prenait les décisions avec Pol Pot sur l'arrestation, mais c'était en la logique que vous aviez suivie par rapport au fait que il était, selon vous, en charge des missions sensibles. C'était de ça que vous avez tiré cette phrase, et non pas d'exemples précis sur lesquels il aurait discuté avec Pol Pot de ces arrestations. Même si je retrouve les références exactes plus tard, est-ce que c'est bien le sens de ce que vous avez indiqué? It is. I remember the discussion that we spoke about Et est-ce que Duc vous a indiqué s'il avait vu que son plan pendant cette période, d'où il tirait ses conclusions? Hay kot ban ka son than baep nung mo pi na da? No, as I said, I didn't know that he was interviewed by a Netflix commission. Chúng chết bỏ tết đôi chuyện nịch. Phần tác nhóm bàn bà tệ chờ rắc này bọt xin phía nâng thằng sông khi bàn mờ khởi. J'ai retrouvé Philippe Schott. Je pense avoir retrouvé la référence. Vous avez précisément dit à propos donc de la question des arrestations, cette conclusion dans mon livre, c'était à 9h46, cette conclusion dans mon livre est basée, et je voudrais dire que consultation peut avoir plusieurs sens. Je voudrais préciser, alors je me suis basé sur une source que je trouvais fiable, suffisamment fiable pour m'y appuyer dans un livre. Alors, était-elle aussi fiable pour que la Chambre puisse s'appuyer là-dessus? Mais le fait est que pendant une certaine période, Pol Pot s'est servi de Khieu Samphan pour faire des missions en province. Khieu Samphan était envoyé pour évaluer une situation dans les provinces et puis il revenait en Bourgogne. He was in the foreign ministry. Chamlai kot thua ka neu kusuong ka borote kal no. No, sorry, Long Narin. Not Narin. Oh, some pay to ko tha kot chmuh Long Narin mon men Narit te. Ba. Vous a-t-il dit à quel moment il était en interaction avec Sampan dans le cadre de son entretien? Prab lok te tham pe na dai kot ban phiksa chmuoy neu lok Khieu Samphan no pe dai kot prab lok no. Interacting is, I think, too strong a word, but he was part of the audience at the meeting which Khieu Samphan chaired for a short session. Je voudrais vous parler d'une réunion pour laquelle il y aurait eu des lectures de professeurs.
We are. Chăm lời, bạn chẳng mèn. Et je suis désolé de rentrer dans les détails, mais est-ce que il vous a dit où aurait eu lieu cette réunion et dans quel cadre? Chăm lời. Tạm ca khiêm chám cứ con mình bàn bình chạy tê. Thật hai chứ khiêm mình bàn kết thà xua rộp bởi chung nâng cái lại nà. Phục khiêm toàn chạc rộm phê rương nâng thế bê lục. Đôi chứ lô rộng phích hư thà bàn thà miền rương nâng chân. Hồi lòng nở rấn có thà chạc miền chân đá. Cứ thà cứ bồ rộng miền nữ vệ sĩ xung vạc thân nghe bà thân chứ lục xây chồng bàn thà bình nất tiên tốt. Anh nâng ấy phục thì gặp nhóm rương thầm mùi. Khiêm mình bàn cất thà thà ដែលការប្រជុំទាំងពីរឬក៏ប្រមាណនៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍សួររេកាលនោះខ្ញុំសួរសំណួរនេះដែលថាមដែលសួរស៊ីគុនដែលធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសនេះបានប្រាប់ថាលោកនរិនត្រូវតែហ្វាយត្រង់ជែកក៏ធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសដែរបារលីជុនរេញុំដែលបារតីអ៊ីក្លូអម្បាញ់មានយ៉ាងពីកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រជុំសម្ងាត់ហ្នឹងនៅក្រសួងការបរទេសដែរទេកុំតែខ្ញុំយល់ឲ្យលោកអត់មានព័ត៌មាន
proposé de distribuer un certain nombre de riz à du côté du super camarade Mout, 5000 sacs, du côté de Kokong, 3000 sacs, la région 25, 10 000 sacs, quant au nombre restant, gardé en réserve et pour usage à Phnom Penh. La première question, vraisemblablement, elle est pas nécessaire puisque vous avez répondu hier, mais je dois quand même vous la poser. Aviez-vous connaissance de ce document que vous auriez pu oublier Yes, I am aware of this document. Chấm lại bát khi ông đăng bản khơi nhà cái sàn đi. Khi ông bàn gì cái thà ai từ lá cá vô thà khi mình bật cốt cứ khi ông ai vô sân đồ mình sẽ bắt hết con tay khi ông mình gì thà Direct decay, miền bản tế không phải mà miền cầm rắn na tịt tuổi. Chấm nói này là nó mà nhóm cho tới ai cái sao thì nhóm trong bên đất mới chấm nói cứ ai cái sao bay slash 238. Pi rồi sam sắp làm bay. Il s'agit, je pense que vous l'avez eu également. Que l'on mène à la fin de ce président, je souhaiterais qu'on puisse afficher ce document. Le RN en français est le 00446-1030. Le numéro en Khmer, alors après c'est sur deux pages, hein, donc il faut avoir les pages suivantes, mais c'est 00072. 4, 5, 8, et le RN en anglais est le 00424-112. Il s'agit du procès verbal de la réunion du comité permanent du 28 février 1976. A priori, il y a trois participants, en tout cas dans la traduction française que j'ai. Le seul nom lisible que l'on voit, c'est camarade tout. Et l'ordre du jour de la réunion est question relative aux aides de la Suède et de la Yougoslavie. Au paragraphe 1, on parle des aides de la Suède. Et voilà ce qui est dit. Le gouvernement suédois a un projet d'apporter des aides à l'Angola, à la Somalie et au Cambodge entre 1976 et 1977, avec une somme de 180 millions de couronnes, soit 40 millions de dollars. Ensuite, je passe au paragraphe 2. Les aides de la Yougoslavie. Le gouvernement yougoslave nous a accordé 4 millions de dollars, mais il en a déjà dépensé 1 million pour acheter des couvertures et des médicaments. 15 000 couvertures nous ont été envoyées via Pékin. Il nous demande si nous les avons déjà reçues. Donc ça, c'est pour, a priori, un document qui indique qu'il y aurait, a priori, des aides de la Suède et de la Yougoslavie. Donc là encore, est-ce que vous étiez au courant pendant la période du Kampuchea démocratique que l'aide apportée par ces pays durant cette période? Chấm lại bạn khi ông bạn thôi được chưa khi ông bạn đăng ngay nơi cảng luôn nơi bây giờ khi ông nơi thì còn về cảng nó cứ nông sản cam chi chi thực tế khi ông bạn đăng thà cái rốt tu Yugoslavia bạn mọc Phnom Penh khi mình ra xa chỉ cả sầm ngặt thế cả nó luôn
Je poursuis toujours sur le même document, puisque nous parlions de la question de la position politique vis-à-vis de l'aide étrangère. Donc en français, c'est le début, et toujours sur le même ERN, et en Khmer, et en anglais, c'est la page suivante. Donc en Khmer, 00 07 2 4 5 9, et en anglais, 00 4 2 4 1 3. Voilà ce qui est dit. Statut des aides de la Suède et de la Yougoslavie. Sur le plan politique, on accepte des aides des pays étrangers qui ont un statut indépendant, qui ne sont pas soumis aux États-Unis et à l'Union soviétique. Ça se poursuit sur la page suivante en français. Grâce à ces pays, nous avons du pouvoir sur le plan international. Les États-Unis veulent nous opprimer. Il est de même pour l'Union soviétique qui veut nous opprimer par le biais du Vietnam. Nous avons besoin des amis dans le monde, les amis qui n'ont pas de traces de clanisme. Un petit peu plus loin sur la même page, au point numéro 2, et j'en terminerai avec cette lecture fastidieuse. La conclusion, c'est, en nous basant sur ce concept, donc, point numéro 2 pour les interprètes, en nous basant, alors c'est vrai qu'en Khmer, il y a un nouvel ERN, 0 0 7 2 4 6 0 60. ERN en anglais, 0 0 4 2 4 1 1 4. Et donc voilà la conclusion. Ces pays disent que leurs aides ne sont pas soumises à des conditions, mais n'importe quelle aide ne peut s'y soustraire. Ils souhaitent bénéficier en retour de l'influence ou de notre appui. Mais ceci n'est pas un problème. Ainsi, ce qui sert et bénéficie à notre évolution, et qu'on peut accepter, nous les en remercions. Vient ensuite une description, toujours sur les mêmes ERN, et en français, ça se finit sur l'autre page. On explique que les aides de la Suède serviront à l'achat de matériel, et que les aides de la Yougoslavie serviront à l'achat du médicament. Est-ce que ce document est un document dont vous aviez connaissance? Et est-ce que la position telle qu'elle est reflétée dans ce procès verbal de réunion qui est de dire qu'on accepte de l'aide en fonction des pays pour être sûr de ne pas être dépendant, de ne pas avoir à subir de pression? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez pu étudier de la période? In broad terms, yes. Monsieur le Président, je vois qu'il est bientôt 3 heures. Je passe à une autre ligne de questionnement. Si vous voulez marquer la pause, je suis à votre disposition. Merci. នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតកិច្ចកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3:20 សម្រាប់ចុះ